وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله أما بعد يا جسمان الكور dernier nous avions évoqué beaucoup de choses. La situation de la personne lorsqu'il va être enterré, lorsqu'il va être dans la tombe. Donc nous avions dit qu'il va être amené à subir des châtiments ou alors à goûter aux délices de la tombe, suivant en fait l'état dans lequel il meurt, tout simplement. Alors ceci c'est une réalité, et ça a été appuyé par le Coran, par la Sunna et par le consensus des savants. Les châtiments de la tombe sont réels, et les délices de la tombe sont tout aussi réels. Non. Nous avions cité de longs hadiths par rapport à ceci, comme le fait que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, le matin avait cité ou avait demandé à ses compagnons est-ce qu'ils avaient vu quelque chose de notoire dans leur rêve. Chacun avait dit ce qu'ils avaient vu, puis au final, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit quoi ? Il a dit, quant à moi, je me suis vu en rêve, deux hommes sont venus. Et nous avons vu ce que nous avons vu. Le hadith est long, revenez, inshallah, au cours précédent. Non. Après avoir parlé de ceci, inshallah, on va entamer aussi quelque chose qui est relatif à la croyance au jour dernier. C'est ce qu'on appelle les signes de l'heure. Non, les signes de l'heure. Ashratu Sa'a. Alors, les signes de l'heure peuvent être classés sous quatre grandes catégories. Il y a ceux qui sont déjà passés, il y a ceux qui sont continuels, c'est-à-dire qu'ils ne cessent de perdurer, ou bien rentrent dans cette catégorie aussi, ceux qui sont passés, puis qui disparaissent, puis qui reviennent, suivant les époques. Il y a la troisième catégorie, c'est ceux qui ne sont pas encore passés, mais qui ne font pas partie des grands signes. Et enfin, quatrièmement, il y a les grands signes de l'heure, qui eux, ceux-là, viendront annoncer l'heure imminente du jour du jugement. Non. Alors, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dans de nombreux hadiths authentiques, nous a informé que plus on avance dans le temps, et plus les époques, les jours, les mois deviennent de plus en plus difficiles, se pervertissent. Non. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith authentique, isbiru, patientez, fa innahu la yati alaykum zamanun illa wa ba'dahu sharrun minhu hatta talqaw rabbakum. Le prophète a dit sallallahu alayhi wa sallam, patientez, car il n'y aura pas une époque sans que celle qui la suit soit pire que la précédente, et ceci jusqu'à ce que vous rencontriez votre Seigneur. Donc plus on avance à l'échéance, au terme, c'est-à-dire au jour du jugement, et plus la vertu se perd, plus les bonnes choses se perdent. Là. Et tout ceci rentre dans la grande catégorie, toute l'étude de ces choses-là rentre dans la grande catégorie des fitaines, ce qu'on appelle el-fitaines. D'ailleurs, l'imam al-Bukhari a réservé un chapitre entier qui s'appelle Babul Fitan, c'est-à-dire le chapitre des troubles. Des troubles. La personne ne saura pas où aller, ne saura pas où cheminer, il n'aura plus des repères clairs comme il y en avait à l'époque du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et dans les premières générations musulmanes. D'après Abi Huraira radiallahu tabaraka wa ta'ala anhu, le prophète a dit sallallahu alayhi wa sallam, yataqarabu zaman wa yankusu al-ilmu wa fi riwaya wa yankusu al-amalu wa yulqa al-shuhu wa tadharu al-fitan
وتكثر الهرج. فقال الصحابة: وما الهرج يا رسول الله؟ قال: القتل القتل. Rapporté par l'imam al-Bukhari ou un muslim. Et le hadith que je vous ai cité avant, c'est un hadith authentique rapporté par l'imam al-Bukhari. Que signifie ce hadith de Abi Huraira radiallahu tabaraka wa ta'ala anhu? Le prophète a dit sallallahu alayhi wa sallam, yataqarabu zaman. Littéralement, le temps va se rapprocher. Alors là, il y a plusieurs explications. Le temps va se rapprocher. Certains ont dit que l'espérance de vie des gens sera beaucoup plus courte. Elle va diminuer jusqu'à arriver à l'instant T. D'autres ont dit yataqarabu zaman, c'est-à-dire le temps paraîtra minime pour les gens à une époque donnée. Et l'imam al-Khattabi a dit que ça, c'est quand le Mahdi viendra. Al-Mahdi, cet homme-là, nous en parlerons pas cette semaine, mais la semaine prochaine, Inch'Allah. Cet homme-là qui fait partie de la descendance de Hassan ibn Ali, un descendant du prophète. Et lorsqu'il reviendra, il y aura une espèce d'âge d'or, si on peut le dire comme ça. Et les gens qui vivront cette période-là avec lui, trouveront le temps très court, car ils vivront une période qu'ils n'avaient pas connue avant. Donc tellement ils vivront dans la jouissance, ils trouveront le temps très court. Ce sont les explications chez les savants. Alors le prophète a dit, il y a taqarabu zaman. Le temps va se rapprocher. Et la science va diminuer. Et dans l'autre version de l'imam al-Bukhari, et les actes vont diminuer. C'est-à-dire les gens pratiqueront leur religion de moins en moins. Et Ashur, c'est-à-dire l'avarice, sera enseignée, propagée, montrée comme un mode de vie, ou proposée, présentée comme un mode de vie. Et les troubles vont arriver. وَتَذْهَرُ الْفِتَنُ. Des troubles vont survenir et vont arriver. Et الْهَرْجُ va proliférer. Alors les compagnons ont dit, c'est quoi le harj, ya Rasulullah? Il a dit, c'est le meurtre. Il l'a répété deux fois. Donc il arrivera un moment donné où le meurtre deviendra quelque chose de banal. Non. Je vous ai ramené ces deux hadiths-là pour vous montrer que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a indiqué clairement. Et bien sûr, ces deux hadiths-là ne sont pas les deux seuls hadiths qui traitent de ceci, mais ils ont le mérite d'être clairs, à savoir que le prophète a dit, sallallahu alayhi wa sallam, qu'il y aura des périodes de troubles. Et quand le prophète parle de troubles, il parle de troubles à l'échelle mondiale ou à l'échelle de la communauté de l'islam. Troubles de tout genre, comme on va le voir, Inch'Allah. Ashratu s-sa', les signes de l'heure. Allah tabaraka wa ta'ala parle de ceci dans le Coran. Yaqul Allah jalla wa ala: "Laysa al-birru an tuwallu wujuhakum qibala al-mashriq wal-maghrib, walakin al-birra man amana billahi wal-yawmil akhir wal-mala'ikati wal-kitabi wan-nabiyyin." La bonté, ce n'est pas de tourner vos visages vers l'Orient ou l'Occident. Non, mais la bonté avant tout, c'est de croire en Allah et au jour dernier, ainsi qu'aux anges, aux prophètes, etc. Au jour dernier. La croyance au jour dernier, qui est un des piliers de la foi, nécessite la croyance à tout ce qui va venir en amont du jour dernier, c'est-à-dire les signes de l'heure, les signes de la fin des temps. Pourquoi ceci rentre dans la croyance au jour dernier? Car lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a annoncé ceci aux compagnons, là, il leur a annoncé quelque chose qu'ils n'allaient sûrement pas vivre. Donc quelque chose qui relève de l'invisible. Et quelque chose qui, de manière générale, vient se greffer au jour dernier, vient venir en préambule et en amont du jour dernier. Et aussi Allah dit tabaraka wa ta'ala, Allahu yabda'u al-khalqa thumma yu'idu thumma ilayhi turja'u. Allah dit tabaraka wa ta'ala, c'est lui qui vous a créé, ou qui a débuté votre création, puis il vous fera revenir, et c'est vers lui, ou plutôt, puis il l'a, et vous créera une deuxième fois, puis c'est vers lui que vous reviendrez. Et Allah dit, tabaraka wa ta'ala, inna sa'ata atiyatun. Certes, l'heure va arriver.
Et dans un autre verset, Inna sa'ata la'atiyatun, avec le lam. Ici, en plus, lam al-tawkid, qui vient signifier que il y a une affirmation supplémentaire. Donc, aucun doute que l'heure va arriver. Hein? Comme l'a dit l'imam Hassan al-Basri, chaque jour que tu, qui passe, ou chaque respiration que tu fais, c'est un pas de plus vers ta mort et vers ton terme. Non. Et Allah tabaraka wa ta'ala, pour affirmer encore ceci, que l'heure va arriver, il jure tabaraka wa ta'ala sur sa propre personne. Il dit Allahu la ilaha illahu la yajma'annakum ila yawmil qiyamati la rayba fi. Allah, point de divinité à part lui. Certes, il vous rassemblera le jour du jugement, aucun doute sur ceci. Donc les versets sont nombreux dans ce sens. Tout ceci nous prouve qu'il est obligatoire pour le croyant de croire au jour dernier. Sans ceci, sa foi est invalide. On ne sera pas considéré comme un musulman. Alors Allah nous informe de l'approche de l'heure en disant aussi Iqtarabatis sa'atu wa shaqqa al-qamar. L'heure approche et la lune s'est fondue. L'heure approche. Effectivement, l'heure approche. Et le scintillement de la lune est un des signes de l'heure. Et l'heure est tellement proche. Écoutez bien, et c'est pour ça que c'est important de reprendre la syntaxe coranique. L'heure est tellement proche qu'Allah évoque déjà son avènement. Allah nous évoque, ou évoque dans le Coran, qu'elle est tellement proche qu'elle est déjà arrivée. Allah dit tabaraka wa ta'ala ata amrullahi fala tasta'jilu. L'ordre d'Allah est venu. Ne soyez donc pas pressés. Ne soyez donc pas hâtifs. Imaginez-vous ici ata amrullah, le verbe ici est au mardi, c'est-à-dire il est au passé. Comme si l'heure était déjà présente. Pourquoi ceci? Car pour Allah tabaraka wa ta'ala, nous sommes dans les derniers moments. Bien que pour nous l'heure nous paraît encore loin, où le temps nous paraît long. Malgré ceci, malgré que le fait que l'heure est imminente et que ces signes précurseurs sont déjà visibles, nous allons en citer certains, alors nous voyons que les gens sont dans une insouciance complète, totale. Et Allah dit tabaraka wa ta'ala « Iqtaraba lin-nasi hisabuhum wa hum fi ghaflatin mu'ridun » ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون لاهية قلوبهم. C'est-à-dire, l'échéance du règlement de leur compte approche pour les hommes, alors que dans leur insouciance, ils s'en détournent. Aucun rappel de la révélation récente ne leur vient de leur Seigneur sans qu'ils ne l'entendent en s'amusant leur cœur distrait. Non, malgré le fait que l'heure se rapproche, malgré le fait que les avertissements ont été réitérés à maintes reprises dans le Coran, et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a plusieurs fois parlé de ces signes-là, jusqu'à ce que ses yeux devenaient rouges, sallallahu alayhi wa sallam, malgré le fait que des signes sont déjà venus, les gens sont insouciants. Et ça, c'est une réalité qu'Allah tabaraka wa ta'ala évoque très bien dans le Coran. L'homme est comme ça, insouciant. Leur cœur insouciant au rappel de tout ceci. Et Allah tabaraka wa ta'ala aussi nous dit que le jour du jugement, il arrivera demain. Pour vous montrer que, à l'échelle de l'humanité, le jour du jugement est pour demain, effectivement. Allah dit tabaraka wa ta'ala, وَالْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِرَدِمْ. Et que chaque âme regarde ce qu'elle a avancé pour demain, l'iradim. Comment se fait-il qu'elle est proche alors que 1400 ans, maintenant 1500 ans, sont déjà passés, 1435 ans, littéralement, enfin pour être précis, 1435 ans depuis l'avènement du prophète, sont déjà passés. Comment on peut dire que l'heure est proche? Allah nous dit que l'heure est proche, le prophète nous dit que l'heure est proche, et il y a 1435 ans qui sont déjà passés. Comment on explique ceci? Allah dit tabaraka wa ta'ala innahum yarawnahu ba'ida wa narahu qariba. Eux, ils la voient loin alors que nous, nous la voyons proche. Donc pour l'être humain, 1435 ans, c'est beaucoup.
Donc, pour Allah, c'est très peu. C'est insignifiant. Et le prophète, écoutez bien ce hadith, car ce hadith, il vient expliquer en fait, il vient relativiser toute chose. يقول النبي صلى الله عليه وسلم c'est un hadith rapporté par l'imam al-Bukhari et je vous donne le numéro du hadith comme ça vous pouvez revenir à ce hadith à la maison tranquillement c'est le hadith numéro 7467 dans le sahih de l'imam al-Bukhari يقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما أجلكم في من مضى قبلكم إنما أجلكم في من مضى قبلكم من الأمم من صلاة العصر Il a Maghribi Shamsi. C'est un hadith authentique rapporté par l'imam al-Bukhari wa Muslim, d'après la version de Abdullah ibn Omar. Que dit le prophète ici, sallallahu alayhi wa sallam? La durée de votre existence comparée à celle des communautés qui vous ont précédé est comme celle qui sépare la prière de Asr au Maghreb. Si on reprend le début du hadith, Allah dit, le prophète a dit, sallallahu alayhi wa sallam, Allah a donné le livre aux gens de la Torah, donc Bani Israël, du Fajr jusqu'au Dhuhr. Ils ont agi, ce qu'ils ont pu faire, puis ils ont été incapables de continuer. Allah leur a donné un qirat, c'est une récompense. Puis, Allah a donné le livre aux gens de l'Injil, après la prière du Dhuhr, jusqu'à l'Asr. Et ils ont agi comme ils ont pu jusqu'à ce qu'ils ont été incapables de continuer à agir. Puis à la prière du Asr, Allah a donné, puis Allah leur a donné un qirat pour Ahlul Injil. Puis à la prière du Asr, Allah a donné à cette communauté le Coran. Puis ils ont agi jusqu'à ce qu'ils ont agi jusqu'au Maghreb, comme ça. Et Allah leur a donné deux qirats. Alors, ceux à qui on avait donné la Torah, ils ont dit, Ya Allah, comment se fait-il que ils ont deux qirat, deux récompenses, alors qu'ils ont agi moins que nous? Alors Allah leur répondra, ai-je été injuste envers vous? Ils diront non. Alors Allah dira, voici ma grâce que je donne à qui je veux parmi mes serviteurs. Et comme on sait qu'il n'y aura plus de communauté après l'islam, les savants ont dit qu'après le Maghreb, ça sera la fin du monde. Donc nous sommes bien dans les derniers instants. Ou si vous voulez, en fin de journée, si on remet ça sur l'échelle d'une journée. Les frères, ce hadith nous montre quoi? Nous montre que l'échelle du temps pour Allah est sur une journée, est comparable à une journée. Les gens de la Torah ont œuvré du matin jusqu'au Dhuhr, puis les gens de l'Injil jusqu'au Asr. Et les musulmans du Asr jusqu'au Maghreb. Le prophète aussi, sallallahu alayhi wa sallam, pour montrer que l'heure du jugement, ou sa venue avec l'heure du jugement, est très minime dans l'échelle du temps. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit, Bu'ithu ana wa sa'atu kahatayni. Et il a fait comme ça, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Regardez bien, ces deux doigts, as-sababa wa al-wusta. Donc c'est le majeur, plutôt l'index et le majeur par le vous voyez la différence qu'il y a entre les deux doigts entre l'index et le majeur ça c'est l'avènement du prophète sur l'index le majeur c'est le jour du jugement cette différence qu'il y a là sur l'échelle du temps c'est le moment où le prophète est venu jusqu'à Yom Al-Qiyam donc tout ça c'est déjà passé toute cette période est déjà passée il reste quoi? Il reste que la différence entre l'index et le majeur. Vous voyez que c'est très court. C'est comme si, par exemple, je dis à quelqu'un, je lui prête de l'argent et je lui dis, tu as 50 ans pour me le rendre. D'accord? Au bout de 45 ans, il ne m'a pas encore rendu cet argent. Est-ce que je suis en droit de lui dire que le terme est proche? Est-ce que ça serait juste de ma part de lui dire que le terme est proche, que tu dois me rendre mon argent? Oui, parce que l'échelle de temps est grande. 5 ans par rapport à 50 ans, c'est peu, c'est un dixième. Donc, il faut raisonner de cette façon-là.
C'est un hadith aussi qui est authentique, rapporté par Fissoudad wa Ghayri, d'après Saad ibn Saad al-Sa'id. Ici maintenant, concernant l'heure, il y a une règle chez les musulmans, bien sûr, que vous connaissez, alhamdulillah, mais il est bon de la rappeler. La ya'lamu waqt as-sa'ati illa Allah. Nul ne connaît l'heure ou l'arrivée de l'heure ou l'avènement de l'heure sauf Allah. Hein? Celui qui prétend le contraire, il a fait un acte de mécréance majeure, car il vient en contradiction directe avec le Coran. Lorsque Jibril est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui a dit: Ya Muhammad, akhbirni al-sa'a, informe-moi de l'heure. Oh Muhammad, informe-moi de l'heure. Qu'a répondu le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Il a dit: Al-mas'oulu anha la ya'lam. Celui qui est questionné n'en sait pas plus que celui qui questionne. N'est-ce pas? La meilleure des créatures parmi les hommes ne connaît pas l'heure du jugement. La meilleure des créatures parmi les anges ne connaît pas l'heure du jugement. Alors, à plus forte raison, tous ceux qu'il y a en dessous et qui sont dans des degrés moindres que ces deux-là. Là, donc, personne ne connaît l'heure du jugement, sauf Allah tabaraka wa ta'ala. Et ceci est corroboré par le Coran. Allah dit tabarak wa ta'ala: يسألونك عن الساعة قل إنما علمها عند الله. Il t'interroge au sujet de l'heure, dit: sa connaissance est auprès d'Allah. Hein, les frères? Et aussi: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام ولا تدري نفس ماذا تكسب غدا. وَلَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ. Voilà cinq choses, cinq connaissances que seul Allah possède. La première, tout ça c'est le dernier verset de Surat Luqman. Allah dit tabaraka wa ta'ala: certes, auprès d'Allah il y a la connaissance de l'heure. 1. عِلْمُ السَّاعَةِ. 2. وَيَنْزِلُ الْغَيْثِ. Lui seul, Allah, sait quand la pluie elle va tomber et à quel moment et à quelle quantité. 3. وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ. Il sait ce qu'il y a dans les matrices, dans la conception de l'enfant. 4. Aucune âme ne sait ce qu'elle va acquérir demain. 5. Aucune âme ne sait dans quelle terre elle va mourir. Non, les frères, 5 choses. Qu'on appelle mafatihul ghaib, des clés d'invisible. Ces cinq choses-là, même le prophète ne les connaissait pas, sallallahu alayhi wa sallam. Donc, par ceci, nous répondons à qui? Nous répondons à toutes ces prétendues fins du monde que vous voyez sur Internet, ou dans les journaux, dans les médias. Récemment, quelques années, presque 2 ans maintenant, il y avait cette propagande, la fin du monde en 2012, fin 2012, 21 décembre je crois, suivant le calendrier Inca. Là. Donc les gens ont été affolés, car malheureusement ceux qui n'ont pas de croyance sur ça sont sujets à toutes ces fausses propagandes. Là. Donc le samedi matin, on s'est rendu compte que tout ça, c'était des balivernes. Non, mais là, ils ont gagné beaucoup d'argent sur ça. Aussi, en début de l'année 2014, selon les Vikings, il doit y avoir une fin du monde. Non, cette année, en 2014. Aussi, il y avait une fin cosmique qui était prévue en juin 2014. Donc, je vous explique, tout ça, c'est des informations officielles. Fin cosmique par un nuage acide ou nuage de poussière cosmique, ceci étant prévu en juin 2014. Lorsqu'on fait une recherche un petit peu sur, j'ai fait une recherche un petit peu sur Internet pour savoir tout ce qui se disait sur la fin du monde. Et j'ai dénombré pas moins de 43 fins du monde depuis 2 siècles, les 2 derniers siècles. 43 fins du monde prétendues. Et ceux qui battent le record sur ça, ce sont les témoins de Jéhovah. Ils ont annoncé à eux seuls 10 fins du monde. Imaginez-vous, 10 fins du monde. La dernière en date,
1994. Et à chaque fois, il repousse l'échéance, puisqu'à chaque fois, il se plante. Donc, tout ça pour vous dire, mes frères, que tout ce que vous voyez sur Internet, hein, comme chose, quand bien même on vient avec des argumentations qui paraissent de premier abord plausibles et valides, tout ça, c'est à rejeter. Non, mes frères, tout ça, c'est à rejeter, car nul ne connaît la fin du monde, sauf Allah Ta'ala. Deuxième chose, comme on va le voir, la fin du monde, elle a des signes précurseurs, des signes annonciateurs, et les grands signes ne sont pas encore venus. Donc, jusqu'à preuve du contraire, puisque les signes ne sont pas encore venus, la fin du monde ne se produira pas avant ceci. Non, mes frères, voilà notre croyance. Donc, on ferme la porte à tous ces charlatans et à tous ces vendeurs de sable, comment dire. Hein? Aussi, parmi les savants d'Islam, il y a certains savants, grands savants reconnus parmi la Sunna, qui ont essayé, à travers des choses qu'ils ont vues, en essayant de corréler tous les hadiths, ils ont essayé de dater la fin du monde. Ils se sont aussi trompés. Parmi eux, l'imam al-Tabari, rahmallah tabarak, grand imam al-Tabari. Hein? Il a fait une erreur. Il avait prétendu, donc on regardait les hadiths et tout ça, que la fin du monde serait au début du 6e siècle de l'ère de l'Égypte. Hein? Presque 1000 ans, on peut partir après. L'imam al-Suyuti aussi avait déclaré qu'au début du 15e siècle de l'Égypte, il y aurait la fin du monde. On l'a déjà dépassé. Hein? Bref, barakallahu fikoum les frères, tout ça pour vous dire que la croyance des musulmans concernant ces choses-là, elle est claire, alhamdulillah. On n'a pas besoin de personnes qui viennent nous raconter toutes sortes de balivernes et de sorcières, quand bien même il aurait une amama et une barbe. Non. Il y a une personne sur Internet qui s'appelle Imran Hussein, qui donne des conférences en anglais et qui parle souvent sur ces sujets-là. Cette personne-là n'a pas de cursus scientifique à proprement parler et n'a pas l'aval des savants pour parler. Et le fait qu'il parle d'eschatologie, c'est toute cette science-là qui a trait au, à la fin du monde, ce qui va arriver, on fait la corrélation, on essaye de tordre le cou des textes du Coran ou de la Sunna afin de les faire, de les mettre en adéquation avec les événements qu'on est en train de vivre. À cause du fait qu'il parle de ceci, il a un auditoire. Les gens sont captés et subjugués par ce qu'il dit. Mais qui est subjugué et qui est capté par ce qu'il dit? Les gens qui n'ont pas de connaissances ou qui n'ont pas appris leur religion correctement et leur dogme correctement. Donc, barakallahu fikoum, mes frères, il faut faire très attention à tout ce qui se dit sur Internet. Concernant maintenant les signes de l'heure, revenons à des choses plus sérieuses. Les signes de l'heure, ashratu sa'a, Allah tabaraka wa ta'ala a utilisé ce terme, ashratu, qui est le pluriel de sharat. Sharat, ça veut dire al-alama, le signe. Sur pluriel, ashrat. Allah tabaraka wa ta'ala a utilisé ce terme dans le Coran. Yaqulullah jalla wa ala, fahal yandhuruna illa sa'ata an ta'tiyahum baghtatan, faqad ja'a ashratuha. C'est-à-dire, c'est le verset numéro 18 de la sourate numéro 47, Mohammed. Qu'est-ce qu'ils attendent sinon que l'heure ne leur vienne à l'improviste? Or, ces signes avant-coureurs sont certes déjà venus. Ces signes avant-coureurs, Ashratuha, sont certes déjà venus, comme on va le voir, Inch'Allah, tabaraka wa ta'ala. Pourquoi on les appelle signes? Ashratuha. Pourquoi ils s'appellent signes? Justement, car ces signes-là, ils viennent annoncer, ils viennent servir de repère ou d'indicateur pour la personne que l'heure est imminente. Aussi, l'imam Tayyibi a dit, « Al-Ashrat, soit ils annoncent la venue de l'heure, l'approche de l'heure, ou soit ils annoncent quoi ? Que l'heure est déjà en marche, ou est déjà arrivée. » Non. Quel est l'intérêt de connaître ces signes ? Ça, c'est important. L'intérêt de connaître ces signes. Premièrement, ceci fait partie de la foi dans l'invisible, de la foi au jour dernier. Et c'est un des piliers de la foi.
Et la croyance dans ces signes est conditionnée par ce qui a été rapporté du Coran et de la Sunna authentique sans sortir de ce cadre-là. Voilà comment c'est comme mes frères. Deuxièmement, la deuxième utilité, c'est le fait de parfaire sa foi, augmenter sa foi, lorsqu'une personne peut être amenée à voir un des signes qui a été annoncé par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Une personne qui a appris tous ces signes-là, si elle voit un jour ou l'autre un signe survenir, alors ceci va lui augmenter sa foi et va le convaincre justement de la véracité du message du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ceci aussi affirmé par voie de conséquence notre foi au jour dernier. Car si des signes avant-coureurs de l'heure se sont arrivés et qu'on les voit de nos propres yeux, alors ceci va ajouter foi à notre croyance au jour dernier. Et de tout ce que nous a annoncé le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et aussi, et dernière leçon à tirer dans l'apprentissage ou dans la connaissance de ces signes avant-coureurs, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il a énoncé ces choses-là, il nous a donné aussi une ligne de conduite à adopter. Lorsque ceci viendra, faites ceci. Lorsque ceci viendra, faites cela. Et ceci, c'est important. Car dans ces périodes de troubles, il nous faut des repères. Il nous faut une chose à laquelle on doit s'attacher pour rester sur les rails. Ou à l'istiqama, sur la droiture. Sinon, la personne va être déroutée et elle risque de faire n'importe quoi. Quand je vous ai dit, les signes de l'heure se divisent en deux grandes catégories avec des subdivisions. La première catégorie, ce sont des petits signes. Cette classification a été faite par les savants. Al-alamat al-sughra ou al-ashrat al-sughra, les signes mineurs de l'heure, ou al-ashrat al-kubra, les signes majeurs de l'heure. Les signes mineurs de l'heure sont tous des signes qui ne sont pas les signes majeurs. Donc en fait, pour savoir quels sont les signes mineurs, il suffit de dénombrer quels sont les signes majeurs. Et les signes majeurs sont au nombre de 10. Qu'a cité le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans un hadith. Ad-Dajjal, le faux messie. Ad-Dabbatu, la bête qui sortira de la terre et qui parlera aux gens. Ad-Dukhan, cette fumée qui envahira tout le monde. Le lever du soleil de son occident. La descente de Isa ibn Maryam. Et trois ouvertures de terre, une en Orient, une en Occident et une dans la péninsule arabique. Et aussi un feu qui rassemblera les gens, qui viendra du Yémen et qui rassemblera les gens vers la terre du rassemblement. J'espère que je n'ai pas oublié. Voilà les grands signes de l'heure. Lorsque un de ces signes va arriver, tous les autres vont suivre comme les perles d'un collier qu'on aura coupé. Ils tombent les uns après les autres sans interruption. Quand le premier va arriver, les autres vont se succéder, pratiquement à la suite. En dehors de ces signes-là, tous les autres sont des signes, des petits signes. Ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas importants, mais les petits signes viendront avant les grands signes. Alors, dans les petits signes, il y a ceux qui sont déjà passés, nous allons les citer, Inch'Allah. Il y a ceux qui sont continuels, qui sont passés mais qui continuent, ou alors qui viennent à des moments précis, qui reviennent, qui repartent et qui reviennent. Et il y a ceux qui ne sont pas encore arrivés. Parmi ceux qui sont déjà passés, la venue du prophète sallallahu alayhi wa sallam, l'avènement du prophète. Le prophète est venu pour annoncer l'heure du jugement. Sallallahu alayhi wa sallam. La preuve, c'est le hadith que je vous ai cité. Bu'ithu ana wa sa'atu kahataydi. J'ai été suscité moi et l'heure du jugement comme ça. C'est-à-dire la différence entre moi et l'heure du jugement et n'est que la différence entre l'index et le majeur. Aussi, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, durant la bataille de Khaybar,
a dressé une tente, avait dressé une tente où il a demandé à ce qu'on dresse une tente en peau, puis il s'est mis en dessous et il a dit à un des compagnons qui s'appelle Auf ibn Malik, radiallahu tabarak wa ta'ala anhu, qui a dit U'dud sittan bayni yadayhi as-sa'a. Compte six choses, compte bien six signes, me dit-il, qui apparaîtront avant l'heure. Quels sont-ils? Il a dit Mauti, ma mort. 1. Fathu Bayt al-Maqdis, la conquête de Bayt al-Maqdis, qu'on appelle actuellement Jérusalem. Mais nous, on l'appelle Bayt al-Maqdis, Al-Quds. 2. Mautan ya'khudhu fikum kal-qu'as al-ghanam. C'est-à-dire une maladie semblable à la maladie, ce qu'on appelle Al-Qu'as. Al-Qu'as, c'est une maladie qui touche les ovins, hein, et qui les terrasse les uns après les autres. Il a dit une maladie qui vous touchera et qui vous fera périr comme cette maladie-là qui touche les ovins. Al-Qu'as. Istifadatul mal. La profusion de l'argent. Wafratul mal. La profusion de l'argent. Hein. Jusqu'à ce que lorsqu'on donne à un homme, on lui donnera 100 dinars, 100 pièces d'or, il ne sera pas content, il en voudra encore plus. Là. Aussi, une tentation ou des troubles, fitnatun, la yabqa baytun min al-arab illa dakhlatuhu. Une fitna qui ne rentrera, qui rentrera dans n'importe quelle maison des Arabes. Naam. Une fitna, une tentation, un trouble qui rentrera dans chaque demeure des Arabes. Thumma hudnatun takunu baynakum wa bayna bani al-asfar. Fayardurul fayatunakum tahta thamanina ghayatan tahta kulli ghayatin 12,000. C'est-à-dire, et un pacte de paix entre vous et les Bani al-Asfar. Les Bani al-Asfar, en général, c'était ceux qu'on appelait les Romains. Bani al-Asfar, car en fait, ils sont blonds. On les appelle Asfar. Donc, une trêve entre vous et les Bani al-Asfar. Puis, ils trahiront ce pacte-là et ils viendront à vous avec 80 étendards, sous chacun des étendards, 12 000 hommes, pour vous combattre. Hein? Tout ça, ce sont des petits signes de l'heure qui viendront. Aussi, le scintillement de la lune. Le scintillement de la lune est aussi un signe de l'heure. Et la lune s'est fendue deux fois à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Anas a rapporté le hadith. Et Abdullah ibn Mas'ud aussi a dit, lorsque les Quraïchites ont demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam un signe, alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam, alors Jibril est venu voir le prophète, il lui a dit, ou bien tu nous ordonnes contre eux et on s'occupe d'eux, ou bien alors on leur donne un signe, mais après ce signe-là, il n'y aura plus rien contre eux, il n'y aura plus rien à faire pour eux. Alors le prophète leur a donné une chance et il a demandé un signe, afin que Quraysh revienne à la foi, revienne à la raison. La lune s'est fendue en deux. Et Abdullah ibn Mas'ud rapporte ce fait qu'il a vu de ses propres yeux. Il a dit, nous avons vu la lune se scinder en deux, chacune des deux côtés de la lune, de part et d'autre de la montagne. Non. Malgré ceci, ils sont restés dans leur mécréance. Non. Aussi, ce qu'on appelle al-futuhat ou al-hurub. Parmi les petits signes qui sont déjà passés, al-futuhat ou al-hurub, c'est-à-dire les conquêtes et les guerres. D'après Khabbab ibn al-Arat, radiallahu tabaraka wa ta'ala anhu, qala, shakawna ila rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam, wa huwa mutasawwidu burdatin fi dhilli al-ka'bati. Fakulna lahu, ala tastansir lana, ala tad'u lana, wallahi, ليتمن الله هذا الأمر حتى يسير راكب من صنعاء إلى حضر موتى لا يخاف إلا الله أو الذئب على غنمي ولكنكم تستعجلون.
Khabbab ibn al-Arat. Et ça, cette histoire-là, ce hadith-là, il était à une période où les musulmans étaient persécutés à la Mecque. Là, persécutés. C'est-à-dire que le prophète ici fait une prophétie à un moment où personne n'avait imaginé ceci. Là, imaginez-vous, vous êtes un groupe de croyants, 10, 20, 30, 40, persécutés, aucun moyen de pouvoir faire quoi que ce soit. Et le prophète annonce ceci. Écoutez bien. Khabbab ibn al-Arat, qui faisait partie de ceux qui étaient châtiés par les Quraïchites durant la période mécoise, est venu voir le prophète. Alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était allongé dans un vêtement à lui, sur un vêtement à lui, sous l'ombre de la Kaaba. Lorsque Khabbab ibn al-Arat est venu le voir, lui a dit, Ya Rasulallah, pourquoi n'implores-tu pas le secours d'Allah pour nous? Pourquoi n'invoques-tu pas Allah pour nous? Alors le prophète s'est assis et a dit, par Allah, Allah complétera cette religion ou cette affaire jusqu'à ce que le cavalier ou la personne sur sa monture puisse voyager de Sana'a, qui est la ville une ville du Yémen, jusqu'à Hadramaut, aux confins du Yémen, ne craignant qu'Allah tabaraka wa ta'ala, ou ne craignant que le loup pour son troupeau. C'est-à-dire que le Amn, c'est-à-dire la sécurité, va s'installer dans les pays et l'islam va régner. Mais il a dit, mais vous êtes des gens trop pressés et trop hâtifs. Rapporté par l'imam al-Bukhari. Imaginez-vous, le prophète a dit ça à un moment où jamais ils auraient pensé qu'ils allaient arriver à cette situation. Non, c'est pas comme si le prophète avait dit ça à la fin de son mandat où les musulmans avaient une assise, où les musulmans avaient le pouvoir, où toute la péninsule arabique était musulmane. Le prophète a dit ça alors qu'ils étaient un groupe, un petit groupe de croyants persécutés. Non. Voilà que le prophète ne parle pas sous l'effet de la passion, ce n'est qu'une révélation inspirée. Et le prophète a dit aussi sallallahu alayhi wa sallam, idha halaka Kisra fala Kisra ba'dahu wa idha halaka Qaisar fala Qaisara ba'dahu walladhi nafsu Muhammadin biyadi la tunfiqunna kunuzahuma fi sabilillah. Rapporté par l'imam al-Bukhari 3618. Le prophète a dit sallallahu alayhi wa sallam, lorsque Kisra va périr, Kisra c'est un titre qu'on donne à tous les rois de Perse. Hein? Lorsque Kisra, c'est Hormuz, va périr, il n'y aura plus de Kisra après lui. Et lorsque Caïsar, César, c'est un titre honorifique qu'on donne à tous les rois des Romains, il n'y aura plus de César après lui. Effectivement, lorsque les musulmans ont conquis la Perse et le Chem, qui était sous le contrôle des Romains, il n'y a plus d'Empire romain et d'Empire perse par la suite. Hein? Et le prophète a dit, et par Allah, vous dépenserez leur trésor fils à Bilillah. Et c'est ce qui s'est réellement passé. C'est un hadith rapporté par l'imam al-Bukhari sur le numéro 3618. Aussi, Ghazwatul Hind, la conquête militaire de l'Hind, l'Inde. Le prophète a dit, sallallahu alayhi wa sallam, Isabatan min ummati, la min ummati, ahrazahum Allahu min al-nar, Isabatun taghzul Hind, wa Isabatun takunu ma'a Isa ibn Maryam, alayhi salam. C'est un hadith rapporté par l'imam al-Nasa'i, authentifié par Cheikh al-Albani d'après Thawban, radiallahu tabaraka wa ta'ala anhu. Le prophète a dit, deux groupes de ma communauté, Allah les préservera du feu de l'enfer. Le groupe qui partira à la conquête de l'Inde, et le groupe qui sera avec Isa ibn Maryam lorsqu'il reviendra à la fin des temps. La conquête de l'Inde est déjà passée, alhamdulillah. Mais les savants divergent, où les savants disent que ce n'est pas toute l'Inde qui a été conquise, une grande partie de l'Inde. Non. Aussi, le prophète a annoncé la prise de Constantinople, Constantinia, qui était la capitale de l'Empire byzantin à l'époque, qui est actuellement Istanbul en Turquie. Fatr Constantinia, donc ça c'est rapporté par l'imam Ahmed, authentifié par Cheikh al-Albani, et le prophète a dit, sallallahu alayhi wa sallam, et les musulmans conquerront Rumiya, c'est-à-dire Rome,
de l'Empire romain, Rome, en Italie. Alors les compagnons ont demandé à Rasulallah, laquelle des deux avant? Et le prophète a dit, d'abord Constantinia, Constantinople. Barakallahu fik, abshiru, Inch'Allah, Rome aussi sera conquise par les musulmans. Car le prophète nous l'a informé. Aussi, le prophète a dit, sallallahu alayhi wa sallam, parmi les signes qui sont déjà passés, mais qui continuent encore, la sortie des imposteurs et des faux prophètes. Naam. Yaqul Nabi sallallahu alayhi wa sallam, la takumu sa'atu hatta yub'atha dajjaluna kadhabun. قريب من ثلاثين كل يزعم أنه رسول الله. Rapporté par l'imam al-Bukhari d'après la version de Abi Huraira. Le prophète a dit sallallahu alayhi wa sallam, l'heure ne se lèvera pas jusqu'à ce que sera suscité parmi vous 30 imposteurs et grands menteurs. Non, près de 30, chacun prétendant être l'envoyé d'Allah. Alors il y en a déjà qui sont déjà sortis. Lorsqu'on dit 30 ici, les savants ont expliqué, c'est 30 qui ont eu des suiveurs. Non, car si on prend tous ceux qui ont prétendu la prophétie, il y en a beaucoup plus que 30. Mais en fait, il y en a qui ont eu des suiveurs, qui ont eu un message qui a été suivi. Parmi eux, Moussa al Kadhab, à l'époque du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Parmi eux, Al-Aswad al-Ansi. Parmi eux, Sajjah al-Kahina, c'est une femme. Parmi eux, Al-Mukhtar al-Thaqafi, à l'époque des Atba'a al-Tabi'in. Tous ceux-là, ils sont déjà sortis, ils ont prétendu être envoyés d'Allah. Non? Et les musulmans les ont combattus les uns après les autres. Non? Aussi, à l'autre époque, il y a des personnes qui prétendent être prophètes et qui ont des suiveurs. Il y a une secte qui s'appelle Al-Baha'iyya ou Al-Baha'iyyun, la secte des Baha'ites. Leur merkez ou leur centre, il est au Liban, à Saint-Jean-d'Acre, dans la ville de Akka, ou Akka, à Saint-Jean-d'Acre. Qui sont ces gens-là? Ce sont les suiveurs d'un homme qui s'appelle Bahauddin, qui est un Iranien, de son vrai nom, Hossein ibn Ali el-Mirza, qui a prétendu être prophète. Puis, il a propagé son message. Il a inventé toutes sortes de choses, toutes sortes de rites. Et lui, en gros, son message, c'est quoi? C'est que nous devons unifier toute l'humanité. Donc, toutes les religions, en fait, elles n'ont pas de lieu d'exister. L'islam est venu pour cette cause-là, pour unifier toute l'humanité. Le christianisme, le judaïsme, le bouddhisme. Bref, son message principal, c'est unifier toute l'humanité. Pour ça, il a dû prétendre être prophète. Kadhab. Alayhi min Allah ma yastahib. Allah lui donne ce qu'il mérite. Donc il a des suiveurs, ils ont une darwa sur internet, ils ont même des vidéos traduites en français, etc. etc. Et lorsqu'ils font leurs vidéos de propagande, ils montrent des femmes sans hijab, dans des jardins avec des fleurs comme ça, où tout le monde est beau, tout le monde est gentil. Bref. Et ces gens-là, ils ne font pas la prière, ils ne donnent pas zakat, ils ne font pas le jeûne du mois de Ramadan. Ils ont une prière quotidienne par jour, et en fait, leur prière, c'est quoi? C'est une prière un petit peu qui ressemble aux chrétiens. C'est-à-dire, ils font des invocations pour, justement, le gourou de cette secte. Là, la secte des Baha'ites. Ils ont aussi une antenne en France, pour information. Il y a aussi, au Soudan, un homme qui a prétendu aussi être prophète. Comment il s'appelait? Son nom m'échappe. Ah, il a été exécuté lui aussi. Il a eu des suiveurs. Donc, il y a toujours des gens comme ça qui prétendent la prophétie. Mais nous savons que le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, est le dernier des prophètes. Khatimun nabiyyin. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. نعم. محمد n'est pas le père de l'un d'entre vous, mais c'est l'envoyé d'Allah et le dernier des prophètes, le sceau. Même Isa, lorsqu'il reviendra,
il ne reviendra pas avec une mission prophétique en tant que telle où il devra ordonner aux gens de le suivre. Il suivra le Mahdi, comme nous le verrons la semaine prochaine, Inch'Allah, tabarak wa ta'ala. Parmi aussi les signes de l'heure qu'on voit, qui sont présents sous nos yeux, les dérives morales. Là. Le prophète a dit, sallallahu alayhi wa sallam, min ashrati sa'a al-fuhshu wa tafahush wa qati'atu rahim wa tahwinu al-amin wa ti'manu al-kha'in. Ça, c'est un hadith authentique rapporté par l'imam Ahmed et authentifié par Cheikh Al-Albani. Le prophète a dit à cette fois, parmi les signes de l'heure, il y a la grossièreté et l'indécence, al-tafahush, comme on voit actuellement. L'homosexualité, la perversion, l'exhibitionnisme, le non-respect des parents, le non-respect des anciens, toutes ces choses-là qui sont immorales et contraires aux principes de l'islam. Aussi, le prophète a dit dans le même hadith, la rupture des liens de parenté. Et lorsqu'on dit les liens de parenté, ce n'est pas seulement le père et la mère. Lien de parenté, c'est lorsque le père ou la mère aussi mettent de côté leurs enfants. Ou alors les liens de parenté, c'est aussi les oncles, les grands-pères, les grands-mères, les oncles, les cousins, etc., etc. Aussi, à un moment, comme a dit le prophète, à ce moment-là, où parmi les signes de l'heure, il y aura le fait de donner crédit aux traîtres. C'est d'ailleurs le considérer honnête et l'accusation de trahison de l'honnêteté. Ou l'accusation de trahison de l'honnête et la confiance qu'on porte aux traîtres. C'est-à-dire une inversion des valeurs. Celui qui est amine, qui est intègre, qui est honnête, loyal, on le prendra pour un traître. Et celui qui est ra'in, traître, qui trompe les gens, qui dissimule, qui vole, qui ment, celui-là, on le prendra pour quelqu'un d'honnête et de loyal. Donc, inversion des valeurs. Aussi, le prophète a dit, sallallahu alayhi wa sallam, parmi les choses que l'on voit, c'est un hadith rapporté par l'imam Tirmizi, authentifié par Cheikh Al-Albani, d'après la version d'Abi Sa'id al-Khudri. Le prophète a dit, sallallahu alayhi wa sallam, « وَالَذِي نَفْسِي بِيَدِي لَا تَكُمُ السَّاعَةُ حَتَّى تُكَلِّمُ السِّبَاعُ الْإِنْسَ » Par Allah, l'heure du jugement ne viendra pas jusqu'à ce que les bêtes féroces parleront aux hommes. وَحَتَّى يُكَلِّمَ الرَّجُلُ عَذَبَتَ سَوْتِ Et jusqu'à ce que l'homme parle à la mèche de son fouet. وَشِرَاكَ نِعْلِهِ Et au lacet de ses chaussures. وَيُخْبِرُهُ فَخِذُهُ وَتُخْبِرُهُ فَخِذُهُ بِمَا يَحْدُثُ أَهْلُهُ بَعْدَهُ Et sa cuisse le renseignera de ce que fait sa famille ou des agissements de sa famille derrière lui ou après lui. Là, à vous d'expliquer ce hadith comme vous voulez, Inch'Allah. Certains ont dit que ceci est une référence à tous les moyens de communication que nous avons actuellement, où la personne, elle peut savoir ce que fait sa famille derrière lui. Ou alors il parle sur le bout de son fouet. C'était les téléphones avec les antennes, etc. C'est une explication chez les savants. Allahu a'lam, je ne rentre pas dans ces choses-là. Vous ferez votre propre interprétation, Inch'Allah, tabarak wa ta'ala. Aussi, parmi les petits signes de l'heure, nous avons, et tout ça c'est corroboré par des hadiths authentiques, la disparition de la science et l'augmentation de l'ignorance. Celui qui voudra rester ferme sur sa religion sera comparable à une personne tenant une braise chaude dans sa main, c'est-à-dire une chose pratiquement impossible. La profusion des guerres, la profusion des tremblements de terre, la profusion des désobéissances, l'élévation des édifices, et aussi, parmi les choses qui viendra, un homme des Bani Qartan, Qartaniyoun, c'est les Arabes de souche du Yémen, les descendants de Yashjoub ibn Ya'roub ibn Qartan. Donc, un homme des Bani Qartan, afouan, surgir et conduire les gens avec son bâton. Comme a dit le prophète, ça c'est l'expression pour dire que cet homme-là sortira et il sera très dur et il sera obéi à cause de sa dureté et de sa rudesse. Aussi, le prophète a dit, sallallahu alayhi wa sallam, écoutez bien ce hadith. C'est un hadith rapporté par l'imam Abu Daoud ou al-Hakim, écrit par Cheikh Al-Albani. Kunna 'inda Rasulillah sallallahu alayhi wa sallam, fa dhakara al-fitnata wa akthara fi dhikriha.
Que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a évoqué des troubles et il a multiplié l'évocation de ces troubles. Hatta zakara fitnat al-ahlas. Jusqu'à ce qu'il a évoqué des troubles de l'ahlas. Une personne a dit, c'est quoi l'ahlas ya Rasulallah? Il a dit, hadihi fitnatu harabin wa harab. Al-ahlas, c'est quoi les frères pour comprendre ce hadith? Al-ahlas, ce sont le tapis de sel. Vous voyez, quand sur un chameau ou sur une monture, on met un tapis de sel. Avant de mettre la selle, on met une chose entre le cheval ou le chameau et la selle. Là, on appelle ça en arabe al-halas, son pluriel ahlas. Pourquoi le prophète a appelé ces troubles fitnatul ahlas? Pour deux raisons. La première raison, c'est que ces troubles vont coller la personne et vont être proches de la personne comme ce tapis de sel est proche de sa monture. Hein? Deuxième explication, c'est qu'elles vont être ténébreuses et noires comme la couleur d'une manière générale de ces tapis-là qu'on pose sur la monture. Voilà pourquoi le prophète a dit fitnatul ahlas. Alors, lorsqu'on lui a demandé, il a dit hadihi fitnatu harabin wa haram. Il a dit, c'est des troubles où les gens fuiront. Wa harab, harab ici, ça veut dire rajulun harib, rajulun muflis. C'est une personne qui aura perdu tous ses biens. Donc c'est une fitna où la personne va fuir à cause de ce qu'il vient autour de lui et en même temps, il va perdre tout ce qu'il possède. Thumma fitnatus saghra. Fitnatus saghra, c'est le contraire. C'est une fitna où tellement il y aura de bienfaits d'Allah que les gens vont être dans la profusion, ils vont être dans le confort qu'ils vont être amenés à commettre toutes sortes de désobéissances. Fitnatus saghra. Naam. Mimma tasaghru al-aynayn. Ce qui vient réjouir les deux yeux. Puis à la suite de ça, le prophète a dit à sallallahu alayhi wa sallam, les gens se mettront d'accord poursuivent un homme kawarikin ala dira'in ala dira'in. Puis les gens se mettront d'accord à suivre un homme qui sera comparable à une hanche qu'on essaye de coller aux côtes. Al-warik, c'est la hanche. Al-dira'i ou al-adla', ce sont les côtes. Est-ce qu'une hanche peut être collée à une côte? Non. Donc, le fait de suivre cet homme-là ne ramènera aucun bien et ils ne pourront jamais être sur la droiture car le prophète a donné cette image en disant « Ceci est comparable à vouloir attacher une hanche aux côtes, ce qui est impossible. » Donc, ils ne seront jamais droits ou sur la droiture. « Thumma fitnatu dahma la tada'u min hadihi l'umma illa latamathu latmatan » Ad-dahma, puis le prophète a dit, puis il y aura une fitna, ce sera une catastrophe qui viendra prendre les gens à l'improviste, subitement. Naam. Personne de cette communauté ne sera épargné, naam, sans qu'il ne soit touché par elle. Fa'idha qila qata'at tamadat. Et lorsque les gens penseront qu'elle est finie, tamadat, elle perdurera encore. Yusbihu rajulu fiha mu'mina wa yumsi kafira. L'homme de bon matin sera croyant et il arrivera le soir mécréant. Naam. Hatta yasira an-nasu ila fustatayn, jusqu'à ce que les gens se sépareront en deux grandes factions. Fustatu imani la nifaq fiha ou la nifaq fihi. Une faction de foi où il n'y aura aucune hypocrisie. Et un groupe où il y aura l'hypocrisie, il n'y aura plus aucune foi. Donc les gens se sépareront en deux, les croyants et les autres. Et ça sera clair. Voilà pourquoi j'ai ramené ce hadith-là à la fin de mes propos. Car c'est une bonne introduction au cours prochain, parce que nous parlerons du Dajjal et du Mahdi et d'Issa ibn Maryam. Regardez ce qu'a dit le prophète, lorsque vous verrez tout ceci, alors attendez la venue du Dajjal,
Car lorsque vous verrez tous ces signes-là, alors attendez la venue du Dajjal, car il viendra d'un moment à un autre. Là, mes frères, il viendra d'un moment à un autre. أكتفي بهذا القدر وأصلي وسلم على نبينا محمد اللهم نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نعوذ بك من عذاب فتنة عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال ومن فتنة يوم القيامة نسأل الله تبارك وتعالى أن يرينا الحق حقا وأن يرزقنا اتباعه وأن يرينا الباطل باطلا وأن يرزقنا اجتنابه اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا رحيما ولا ميتا إلا رحمته ولا مريضا إلا شفيته ولا عسيرا إلا يسرته ولا فاقدا إلا أعطيته ولا حاجة من حوائج الدنيا إلا يسرتها يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك بارك الله فيكم وقل رب زدني علماً.